messieurs les chefs des cantons, messieurs les chefs du village, mesdames et messieurs, mes chers belles-sœurs, mes maris, messieurs les cadres, chers membres de la famille, représentée ici par notre aîné à tous, chers camarades, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de joie que je me retrouve aujourd'hui parmi vous. Mais j'en appelle à la gloire de Dieu. J'en appelle à la miséricorde de Dieu. J'en appelle à la bonté de Dieu. La maman Gabo est décédée alors que j'étais encore à Oudjili. On l'a enterrée au moment où on m'avait ramené à Abidjan, mais à l'époque de gendarmerie. Et j'ai souhaité venir participer aux obsèques. Donc j'ai fait une demande écrite. Mais la demande n'a pas été honorée. Et je me suis contenté de rester chez moi, de pleurer chez moi, de prier là où j'étais à l'époque de gendarmerie. Il était donc important, une fois que je suis sorti par la grâce de Dieu une fois de plus de ces chaînes-là, que je puisse venir m'incliner sur la tombe de la maman. Et j'ai voulu faire ça plus tôt. Mais quand je suis sorti, vraiment, mon corps était joli à l'extérieur, mais au-dedans là, il était fatigué. Et donc les médecins m'ont recommandé d'attendre un peu avant de venir. Et puis entre temps, les événements se sont enchaînés. Sangaré est décédé, etc. On a dû faire toutes les obsèques pour l'enterrer. Et là, la nouvelle année a commencé. Et vraiment, j'ai estimé qu'il était important que je vienne. Que je vienne pour m'incliner sur la tombe, saluer mes belles-sœurs, saluer mes maris, saluer mes camarades, saluer tous les enfants qui sont aussi mes enfants, et qu'ensemble nous rendons gloire à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous donne à ce moment-ci. Alors en venant, je suis venu avec des membres de ma famille. Et moi, ma famille est très grande à Moussou là-bas. Mais donc je suis venu avec juste quelques membres de ma famille à qui je vais demander de se lever pour que vous puissiez les saluer. Voilà ma grande soeur. Ma grande soeur qui est la plus petite là-bas, la plus belle. C'est notre aînée à tous les enfants élevés. Elle s'appelle Écra de Nice. Ma petite sœur, Marie-Victoire, elle aussi elle est partie chez se marier chez les BT, donc elle s'appelle Madame Mati. Mon petit frère, Simon-Pierre et Yves. Et lui aussi, comme il s'appelait Yves, il s'est retrouvé aussi en prison pendant 4 ans. Je suis venu
avec mes cousins, tes neveux, tes nièces, mon chef de famille, avance un peu, voilà, mon chef de famille, adjudant chef à Mangoua. Et puis, je suis venu particulièrement avec votre fille. Qui est sorti de mon ventre, du ventre de Laura Gbagbo. Jumelle et toutes ses autres sœurs ont été obligées de se réfugier au Ghana. Donc elle vit au Ghana. Elle aussi, elle est partie se marier à un bébé. C'est bien fait. Moi j'ai perdu sur tous les tableaux. Un bébé qui est de Daloa. Et qui s'appelle, peut-être que vous le connaissez, s'appelle Kipré Stéphane. Voilà. Et puis évidemment, des membres de mon cabinet, des membres du secrétariat général du Fonds populaire ivoirien, dont César et tout, que vous connaissez bien. Voilà. Nous sommes venus pour pleurer à l'étardement. Sinon, j'ai déjà pleuré. Parce qu'au moment de l'enterrement de la vieille, ma famille a été dignement représentée. Mes soeurs sont venues, elles ont fait à ma place ce qui devait être fait. Mais on ne peut pas dire comment ça a été fait à cette époque-là, donc c'est bon comme ça. Il fallait que je vienne moi-même. Et c'est pour ça que je suis arrivé. Et je vous remercie vraiment pour l'accueil que vous m'avez réservé. Ça fait que les larmes même ont tari dans mes yeux. Et c'est la joie qu'elle a. Je suis venu également pour que vous vous rendiez compte que maintenant, moi-même, par la grâce de Dieu, je vais bien. C'est important qu'on rende gloire à Dieu. Parce que là où nous sommes sortis, s'il n'y avait pas Dieu, je pense que nous ne serions même pas sortis vivants de la résidence. Mais Dieu a gardé sa main sur nous. Parce que comme lui-même il dit, il est le Dieu de fidélité. Et quand tu es dans les problèmes, c'est à ce moment-là qu'il manifeste sa fidélité. Et lui, ça manifestait sa fidélité. Donne-moi une chaise que je m'assieds. Il a manifesté sa fidélité. Il nous a soutenus, il nous a protégés, il nous a gardés. Et nous sommes sortis de là. La famille a été complètement dispersée. La famille a été dispersée. Mais les enfants sont partis. Il y en a qui sont partis au Ghana, il y en a qui sont aujourd'hui au Cameroun, il y en a qui sont aux États-Unis. Mais Dieu les a gardés. Dieu les a protégés. Au moment où je suis sorti, à ceux qui sont venus me saluer, j'ai dit, Dieu est en train de faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Chef, Dieu est en train de faire un grand miracle en Côte d'Ivoire. Peut-être que comme on est des hommes, on est des humains,
on ne s'en rend pas compte. Mais notre Dieu là, il est en train d'agir puissamment dans notre nation. Et à ce moment-là, j'ai dit, notre Dieu là, qui s'est levé sur la nation ivoirienne là, il a ouvert une porte. Il est le Dieu qui, quand tu l'ouvres une porte, personne ne peut la faire. Et j'ai dit, c'est parce qu'il a ouvert la porte que moi, Simone, j'ai pu sortir et retourner chez moi. Mais cette porte que notre Dieu, dans sa grande bonté, parce que nous là, on fait des péchés comme tout le monde. On est des grands pécheurs aussi comme tout le monde. Mais quand il se lève dans sa bonté, il ne garde plus le péché. Lui-même, il vient et puis il nous nettoie, il nous justifie, il nous lave, il nous purifie, il nous sanctifie. Et ce Dieu-là qui s'est levé, qui a ouvert la porte, il va maintenir la porte ouverte. À cette époque-là, à l'arrêt, on n'avait même pas encore commencé même à terminer le procès de Babola, comme ça s'est terminé. J'ai dit, la porte a été ouverte. Moi, je suis sorti. Donc, Babo va passer par cette même porte-là. Il va sortir. Et j'ai dit, nos camarades qui sont réfugiés en exil dans les pays voisins vont passer par cette porte-là et ils vont rentrer. Quelques semaines après, je suis devenue prophétesse. Parce que, à la CPI, on a entendu une voix retentissante, une voix surprenante. À l'époque où on était en train de dire non, il faut les mettre en liberté provisoire, en attendant de terminer le procès. La voix dit, cet homme-là, il n'a pas fait tout ce qu'on lui a reproché. Donc, il est acquitté des 4 chefs d'accusation que le procureur avait prononcé contre lui. Et il doit être libéré immédiatement. Ma prophétie était en marche. Quelques jours après, le 31 janvier, voici nos camarades en exil qui ramassent leurs bagages et qui disent on rentre en Côte d'Ivoire. Et ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Pour moi, là, c'est une 60aine qu'on a compté, qui sont rappelés immédiatement. La prophétie est en marche. Mais vous savez, quand la bénédiction de Dieu va être aussi grande et que la prophétie démarre sa course, les anges viennent devant. Et quand ils viennent devant, ils arrangent les choses. Ils arrangent les cœurs. Ils aplanissent les sentiers. Là où il y a des trous, ils remplissent la chaussée. Pour que quand, loin de Dieu, quand il va arriver là, que son pied ne compte aucune pierre. Et donc on est là, on attend. La grande nouvelle a été donnée. Le reste là, on attend Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On attend Dieu. Et notre Dieu, quand il a commencé une chose, il a agi. Quand il a dit une parole, il exécute. Donc, c'est toi aussi pour ça que je voulais
je voudrais venir qu'on se réjouisse ensemble de la bonne nouvelle que nous avons entendue et qui est commencée à s'exécuter. Tout à l'heure, le chef de Tchoukou qui dit, il est sorti, il est pris en prison, il est maintenant dehors. Et il s'est, mais on lui a même donné déjà un logement au sud de la Belgique. Il est chez lui, au sud de la Belgique. Et il faut assurer sa sécurité. Il va lui donner à manger jusqu'à ce que le... il est sécurisé bien. Jusqu'à ce que l'équipe du procureur puisse rédiger son appel, parce que l'équipe du procureur n'a pas encore pu rédiger leur appel. Donc, ils vont rédiger leur appel, ils vont déposer leur appel, et puis maintenant, les juges de la chambre d'appel vont regarder si ça tient la route ou bien si ça ne tient pas la route. Si ça ne tient pas la route, notre mari, notre frère, notre père va rentrer au cité. Si ça tient la route, ils vont examiner. Maintenant, quand ils vont examiner là, ils vont savoir est-ce que effectivement il est coupable ou est-ce que les premiers juges ont eu raison de dire qu'il est acquitté. Et à ce moment-là, ils vont aussi cacher. Donc voilà un petit peu la suite de ce qui attend. En attendant, nous, on s'est réjouis, on a dansé, on a rendu gloire à Dieu pour ce que depuis 8 ans maintenant, ce monsieur-là, qui ne mérite pas d'être en prison, il a pu retrouver l'air libre, respirer l'air libre, manger le riz qu'il veut. S'il veut manger Zon Oussaka, il pourra manger son Zon Oussaka. S'il veut manger le Kosoukoué, il va manger son le Kosoukoué. S'il veut manger son Sioko, il va manger son Sioko. Donc vraiment, je vais m'arrêter là, mais je sais que vous-même aussi, vous avez beaucoup souffert pendant tout ce temps. Donc je vous dis à vous-même aussi, aïe à vous presse. Aïe à vous presse. Aïe à vous presse. Il y a eu beaucoup de deuil. Aïe à vous presse. Aïe à vous presse. Aïe à vous presse. Que Dieu nous bénisse tous. Voilà, comme je disais, Bien, voilà, merci. Veuillez rester en place, s'il vous plaît. Veuillez rester en place, s'il vous plaît. Vous allez donner la parole à... C'est un peu plus. C'est un peu plus.